Bon, encore 3000 vitres et je suis avec vous. Mais faire le visito, c'est pas juste. Les tic-tac zoulou qui zigotent jusqu'au zoo. Les tic-tac zoulou qui zigotent jusqu'au zoo. Les zigotons, les zigotons, les zigotons. Salut tout le monde, ça va? Ouais! Salut à la maison, ça va? Ouais! Fantastique. Salut Anne! Mm-hmm. Salut Nathalie! Mm-hmm. Oui, on vous prépare quelque chose de spécial. Mm-hmm. On a pour vous aujourd'hui un concours de gomme ballon. Mm-hmm. Regardez bien ça. Moi, je mange la langue. Tu manges la langue? Je mange la langue. C'est pas ça le but du jeu. J'ai pas de gomme, je mange la langue. Alors, c'est celui qui fait la plus grosse ballon. OK. Mm-hmm. Mmh. Attends un peu. Mmh. Oh! Hey. Ouais! C'est Nathalie qui a gagné? Nathalie qui a gagné. Bon, ben, je vais me reprendre plus tard. Mmh. Bon! Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'émission? Ben, on a des sketchs, on a des jeux. Ah oui, ça fait changement d'habitude. Ben, c'est différent. Des jeux, oui. On a le carabox. Mm-hmm. On a la bascule à cube. Bascule à cube, ça, j'aime beaucoup. Et les 678 saucisses bien cuites. Ah, qu'est-ce qu'on mange? 678 saucisses bien cuites. C'est super. Et bien sûr, on a nos trois équipes, les bleus, les blancs et les rouges et les gommes ballons. Non, c'est pas vrai, ça. Et on a nos trois médailles. Médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Les zigotos qui réussissent à relever les défis, eh bien, c'est la médaille d'argent. Et pour aller chercher la médaille d'or, on se dirige dans les profondeurs de la mare maléfique. On nous attend la grenouille dorée. Voyez, je vais lui faire faire trempette. Attention, éjecte-toi, ma belle. Yippie! Hey, je brasse la mare maléfique. Les zigotos ont 20 secondes pour aller chercher la grenouille. Et pour obtenir la médaille d'or. Si jamais ils réussissent pas à trouver... Non, c'est pas vrai du tout. Si jamais ils réussissent pas à trouver la grenouille, c'est la médaille d'argent. Et pour les zigotos qui n'ont pas réussi à relever le défi, eh bien, c'est la médaille de bronze et la cabastrophe. Ah! Alors, on a Daniela et sa comparse. Ils vont se faire prendre les cheveux, je pense, hein? Elles sont prises. Elles sont prisonnières de la cabastrophe. Et en plus de tout ça, on a nos sketchs avec nos personnages complètement bizarres et capotés. Voyons donc. Et un journal pour vous. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec elle, là? Bon journal, Mme Grabiche. Oh, ben là, ça va faire, là, bon. Bon journal. Wow! Les moteurs! Mais tu peux m'expliquer c'est quoi ton problème? C'est vous! Pardon? Ben, je veux dire, c'est vous qui m'avez dit que plus je distribuais de journaux, plus je me ferais de pourboire. Ça fait déjà 4 journaux que je vous distribue. Ben oui, mais c'est pas pareil. Ça fait 4 fois que tu me passes le même journal. J'ai même pas eu le temps de le lire, ça fait que, tu sais. Ça veut dire que j'ai tout fait ça pour rien? Que j'aurais pas un sou de pourboire de plus que d'habitude? Nadine, ici. Bon, je m'excuse, là. Oh. Tiens,
Bon, on s'en prend. Tiens pour ta course, là. Commence plus tes vroom vroom, OK? Merci, Madame Gravèche. Bon. Oh, la petite gueuse à Moïse! Ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Ah, ça me fait bien quand même. J'inviterai l'équipe des Bleus à venir nous rejoindre pour la Carabox. Allez, les Bleus! Alors, on a Chante, c'est ça? Manouchka et Alice au Pays des Merveilles. Alors, les zigotos, on va voir si vous avez un petit peu d'habilité avec des gants de boxe. On s'en va chercher la Carabox. Et c'est parti! Pour le Carabox, les zigotos doivent faire tomber toutes les formes de pieds et les formes de mains qui se trouvent à l'intérieur du couloir. Il y a le plafond qui descend aussi, qui remonte seulement 30 secondes avant la fin du jeu. Les zigotos ont des gants de boxe dans les mains et doivent frapper très, très fort pour faire tomber les formes. On frappe les formes de pieds avec le pied, bien sûr, comme un bon kick, et on frappe les formes de mains avec le poing, avec nos gants de boxe. On doit attendre le son de la cloche pour passer à l'intérieur du couloir. Bon, les zigotos, est-ce qu'on est prêts? Fais donc ça, mais comme ils ça. Ils sont prêts. Ça va? Ils sont prêts. On se met en position. OK. Vous suivez Nathalie? Moi, je pense que je vais retirer ça quand même. OK. Ça suffit. Laissez avec moi. Tiens, est-ce que tu veux l'essayer? Oh oui. Non, j'ai déjà vu avec ça. Les zigotos, c'est parti! Wow, Chante, quel punch! Hey, Manouchka. Vas-y, Chante. Hey, les Bleus! Wow! Hey, Chante, quel punch! Quel punch! Essaye donc, Chante. Ici, un bon punch. C'était tout un punch. Mort maléfique! Est-ce que tu veux un punch aussi? OK! Les zigotos, on s'installe de façon stratégique, pas tous dans le même coin, hein. Viens ici, Manouchka. Oh, il y a de la mort maléfique partout. Bon, je vous rappelle, les zigotos, que vous avez 20 secondes pour aller chercher la grenouille dorée qui se cache dans les profondeurs, on sait pas où, hein. Vous avez pas peur de plonger vos bras là-dedans? Non. Ça va? Manouchka, prendons la température, voir. Prends la température, tu me diras si c'est froid ou si c'est chaud. C'est froid. Est-ce que ça tente de plonger jusqu'au coude? Oui! Ben, c'est ce qu'on va voir. Attention! C'est parti! Où est-ce qu'elle se cache? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, allez, allez! 4, 3, 2, 1, 1. Oui! Nous avons la grenouille dorée. Oui! Hey, Manu,
Jessica. Montre la grenouille. Regarde, montre-la juste là. Elle est pas belle? Est-ce que t'as envie de l'embrasser? Ah, ah, je t'y prends en raisin. Tu es fait comme un rat. Tatou! Tu me braques, ouais, Zarate. À préparer un autre de tes mauvais coups. Heureusement que la grande Zarate est là pour faire régner la justice. Hey, Zarate, tchouka, tchouka, tchouka. Je prépare aucun mauvais coup. J'ai même décidé de devenir un honnête et gentil pirate. Quoi? Ah ouais, je te dis, je ferai plus jamais de mauvais coups, promis. Voyons donc. Tu seras jamais capable de tenir ta promesse. Comment tu gages? 50 sous. Parfait. T'es-tu sûr que t'as 2,25 cents toi aussi? Ben oui. Montre-moi donc. OK. Tiens. T'en fais ça. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je te vole ton argent, cette affaire. Tu viens de dire que t'allais devenir honnête et gentil. Ben ouais, mais c'est pas de ma faute à moi si t'es assez nounoune pour me croire. Zérote, la petite sotte, qui se pense la plus forte. Attends, que j'utilise mes super pouvoirs. Box! OK. Hey, Zérote, tu t'es pas améliorée sans claquette bébé depuis la dernière fois, hein? Regarde, là! Dans le coin droit, nous avons ici Zérote, le petit point numéro 2. Ding, ding! Ah! Du, 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 du. Oh, toi, là! Aïe, aïe, je suis tout étourdi, là. Ah! J'ai gagné! Hey, Zérote, je te gage 4,25 cents que je suis capable de te les voler. Moi, là, je parie juste quand je suis sûre de gagner. Hey. Salut! Tatoune! Ah! Hey, non seulement j'ai pas pris ces 2,25 cents, mais en plus, j'ai perdu les miens. Il faut que je les récupère. Zérote, je te gage 4,25 cents que je suis capable de devenir un honnête et gentil pirate. Hein? Hey, Zérote! J'aime bien cette petite musique-là. J'inviterai les Blancs à venir nous rejoindre pour la bascule à cube. Allez, les Blancs! Alors, on a Rami, Joël et... Mira. Vous êtes en forme, les Blancs? Regarde, ça va? Hey, on fait un beau grand sourire, Rami! Regarde, je vais forcer. Est-ce qu'il n'y a pas des petits zigotos basculiens qui viennent? Oui, je pense que... Oui, ben, oui, on a deux ailes qui vont venir nous rejoindre. Alors, comment tu t'appelles? Monouk. Monouk. Et toi? Et Mélissa. Ben, les zigotos, c'est parti pour la bascule à queue. On va chercher tout ça. Allez! Alors, il faut qu'à la fin du temps alloué, la bascule soit en équilibre. Il faut que la flèche soit dans la zone verte. Bien sûr, on utilise tous les cubes qui sont de différentes couleurs et de différentes grosseurs, mais il faut se méfier parce que le poids des cubes n'est pas nécessairement proportionnel à leur grosseur. Ça, c'est la phrase clé. Il faut se méfier de ça. On installe également un zigoto sur chaque plateau pour faire le ballon. On se met en place? Oui. On part. Allez. Allez. OK. Viens tes genoux pour pas que ça. Les zigotos, vous êtes prêts? Okay. L'équipe des Blancs? Rami? Prêt? On y va. Allez-y! Allez, 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 tous les cubes! Oh, oh. You
reste une minute. Dépêchez-vous, les zigotos. Allez, allez! Écoutez, on est dans le vert. On est dans le vert. On s'ostinera pas pour ça. On a réussi à relever le défi. Allez. Bravo. Ben écoutez, on a eu chaud, les Blancs, hein? Avez-vous eu chaud? C'est cool, ce jeu. C'est cool? Rami a trouvé ça cool. Qu'est-ce que tu as trouvé cool dans le jeu? C'est bon. T'aimes ça? J'aime lever les cubes lourds. On voit que Rami aime se servir de ses muscles, hein? Alors, c'est cool. Hé, hey, Myrna, je te voyais, tu dirigeais les zigotos. Ça va bien pour toi? T'es comme un rôle de chef. Chef d'orchestre. Oui. Ben les zigotos, on a la médaille d'argent, on se dirige maintenant où? À la mare magnifique! Attention! On se dispose. Oh, Joël, remonte tes manches, je t'en supplie. Ah, tu remontes? Ça va, les manches? On les remonte bien? Ah. Et je vais brasser la mixture. Attention, ma grenouille, ça s'en vient. Les zigotos, vous avez 20 secondes. On n'a pas peur d'aller jusqu'au fond. Ça va? C'est parti! Allez, allez! On cherche partout. Rami, tourne-toi, Myrna, tourne-toi. Regarde ce que Rami a fait. T'es tout englué. Hey, c'est pas grave, hein? On est là pour le plaisir. Hey, Babine! Mademoiselle Babine! Mademoiselle Babine! Labine! Je m'appelle Labine! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Un petit cadeau pour vous. Oh, comme c'est gentil! Hein? Mm. Mais qu'est-ce que c'est? Un beau morceau de poisson frais! Un filet de poisson! Ah. Oh, j'adore le poisson! C'est un petit goût si raffiné, hein? Je vais le faire cuire avec du fenouil et du citron frais. Du fait quoi? Du fenouil. C'est une herbe qui accompagne délicieusement le poisson. Oh, hé, hé! En parlant de ton poisson, là? Je l'ai pêché moi-même! Croiriez-vous-tu pas ça? Vraiment? Mm-hmm. Oh, eh bien, bravo! Bravo, bravo, félicitations! Maintenant, excusez-moi, c'est l'heure du dîner. Je vais aller préparer mon poisson. Oh, hé, hé, hé! Il est quasiment prêt, hein? Je l'ai tout arrangé, bien comme du monde, avant de te le donner. C'est très gentil, monsieur le tweet. Merci. Au revoir. En premier, là, il a fallu que j'y coupe la tête. Il m'a regardé avec des grands yeux tristes. Évidemment. Bon, allez, au revoir. Hey, après, là, je l'ai coupé en deux. Ah, pour y nettoyer le dedans, faut que ça soit propre du poisson, hein? Bien sûr. Excuse-moi, je dois dire... Après ça, là, le pire, c'est quand j'y ai enlevé les tripes. Hein. C'était jaune pis vert. Pis ça puait, ça puait, ça puait. Évidemment. Oh. Là, par exemple, après qu'il ait passé une belle grosse semaine au soleil, hein, j'ai pris du savon à linge pis j'y ai tout lavé l'intérieur, là. Ben comme il faut avant de te le donner. Pis voilà le résultat! Hein, vous m'en donnerez des nouvelles, hein. Bon appétit. Je n'y manquerai pas. Oui. Là, je vais aller un peu décapiter mes pissenlits qui me restent, là. Je vous laisse là-dessus.
je crois que... Tu sais, je vais plutôt manger des pâtes pour dire... Tweet, 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 tweet. Hey, maintenant, j'inviterai l'équipe des Rouges à venir nous rejoindre pour les 678 saucisses bien cuites. Et les Rouges, Wissam, Eliane et Raphaël. Ça va bien? Allez, Rouges, vous êtes en forme? Ouais. Est-ce que vous aimez la saucisse? Oui. Ouais. Ah, là, vous aurez pas. On a 678 à rentrer. C'est parti! On va chercher ça. Pour les 678 saucisses bien cuites, les zigotos doivent rentrer les 678 saucisses bien cuites à l'intérieur de la marmite géante qui se trouve l'autre côté de notre zone mouvante. Vous connaissez la zone mouvante, vous savez que je l'adore, elle est très confortable, mais malheureusement, les zigotos n'auront pas le temps de s'y attarder. On sert de grosses spatules géantes pour transporter les saucisses et on n'a pas de temps à perdre parce que le couvercle se referme également à mesure que le temps passe. Les zigotos, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Oui. Ah, ben, je suis bien moins ici. Hein? Un beau sourire. Allez, c'est parti! Quel défi d'importance à relever. Ben, les zigotos, il en restait quoi? Tiens. Il en restait pas 678. Non, il en restait pas 678. Il en reste quelques-unes qui traînent comme ça. Jean-François? Oui? Une pinotte. Ah! Mais... Une pinotte? Une nouvelle recette. Bon, ben, des saucisses aux pinottes, non, je connais pas ça. Ça fait délicieux. Les zigotos, on se dirige à la cabastrophe. Mais... Tiens, je te fais un cadeau. Oh, merci, Jean-François. Ça s'ouvre par ici, ouais. Bon. Ah, les zigotos, vous connaissez les règles de la cabastrophe? Oui. C'est quoi les règles de la cabastrophe? Qu'est-ce que sont les règles de la cabastrophe? Dites-moi donc ça. Le sourire. Le sourire, ça en est une? Et puis on reste sur ça. On reste sur ça? Eh bien, la troisième règle maintenant, c'est on n'a pas le droit de se mettre les mains sur la tête. Attention, c'est parti, les zigotos! Oh, 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 oh! Qu'est-ce qui va se passer? Hey, on encourage nos zigotos! Qu'est-ce qui va arriver? Wow! Wow, wow, wow! C'est ça! Ouais! Poussière de pinotte! Je pense que la cacahuète qu'on a trouvée tout à l'heure, c'était quelque chose de prédicateur, hein, parce qu'on en a eu plusieurs ici. Oh! Qu'est-ce qu'on peut faire à visage? Oh, c'est la remise des médailles, les zigotos! Ça va, la remise! Thank you.
Alors, pour les Bleus, c'est une magnifique médaille d'or pour avoir affronté le Carabox pour Aline. Félicitations, Aline. Félicitations. Manouchka. Félicitations, Manouchka. Belle médaille d'or. Et pour Chant, on dit Chant, c'est ça? Comme s'il y avait un T en avant. Chant, c'est ça? Félicitations. Bravo. Bravo. On va lever le défi de la Carabox. Alors, maintenant, j'inviterai les Blancs à monter sur le podium. Avec la bascule à cube. C'était pas facile, hein? C'était à la toute dernière minute. Ah, ils ont réussi ça. Dernière seconde. Oui, on a vu. Félicitations, Rami. Oh, c'est too much, hein? Ah, il est cool, Rami. Il est cool. OK, pour Rami, médaille d'argent. Et pour Joël, médaille d'argent aussi. Félicitations. Ça, c'est cool. Est-ce que tu es anglophone? J'aime ça. Myrna. Félicitations, Myrna. Bravo. On applaudit les Blancs. Hey, attends, attends. On applaudit les Blancs. Allez. Oui, les Blancs. Bravo. Parfait. Alors, merci aux Blancs. Rami, c'est comment déjà l'émission? C'est cool! C'est cool! Mais c'est surtout le cool. J'invite les Rouges. Allez, les Rouges! Ouais. Félicitations, les Rouges! Eliane! Félicitations! Félicitations à Raphaël! Les 678, et 678 saucisses! Félicitations, Raphaël! Est-ce que vous en avez mangé, des saucisses? Oui, oui, je n'ai pas. Vous n'avez pas mangé? Aujourd'hui. Je les ai vus manger, félicitations! Alors, on applaudit les Rouges! On applaudit les Rouges! Bravo! Et les Rouges vont sentir la pinotte, ça, je peux te le garantir. Merci. Les pinottes à la saucisse pour les Rouges. Ah, regardez, j'ai un défi à relever, moi. Regardez, premièrement, j'aimerais remercier l'école Alice Parizeau et la deuxième colonie des castors de la paroisse Immaculée Conception pour leur présence à l'émission. Et merci beaucoup. Vous souvenez, au début, on a fait une espèce de petit concours. Ouais, oui. Ben, tiens-moi ça, s'il te plaît. OK. Regardez bien ça. Les zigotos, ça lève des fous, on s'écrate les oreilles, on a l'air des vrais fous, mais on est tous pareils, nous, les zigotos. Les zigotos, les zigotos. Et vous amuser? Retrouvez les trois animateurs des Zigotos et leurs invités lundi prochain à la même heure.